Traité Orayot, premier chapitre, quatrième Mishnah. Eh bien, nous continuons la quatrième Mishnah du traité Orayot. Et la Mishnah va en fait continuer la lancée de la Mishnah précédente en définissant véritablement en quelle mesure le Beit Din peut être considéré comme étant un Beit Din qui énonce un verdict énoncé. Et vous voyez que la Mishnah, et la Gemara encore plus, évidemment, a une tendance à vouloir minimiser le nombre de cas qui vont être en fait ceux qui vont définir le Beit Din comme étant un Beit Din qui se trompe dans son enseignement. Mais commençons plutôt la Mishnah. Oru Beit Din Veyada Echad Mehem Shetahu. Le cas est le suivant. Lorsque le Beit Din énonce un verdict, mais un des membres du Beit Din eh bien, sait pertinemment que c'est une erreur. Il sait que le Beit Din se trompe. Et non seulement ça, mais il leur dit Amar Lahem Toimatem. Il leur dit vous vous trompez. Et donc, vous voyez bien qu'on a ici, donc, même dans le cas d'un grand Beit Din, ou même dans le cas d'un Sanhedrin, on a tous les membres qui sont là. Ce n'est pas qu'on a un manquement dans la quantité de juges requis, tout le monde est là, mais un vient est considéré comme étant en situation de minorité, et il leur dit « vous n'avez pas raison, vous vous trompez ». Pour une raison ou pour une autre, bien le Beit Din a quand même décidé de diffuser son enseignement et d'énoncer la loi qu'il veut énoncer, même si celle-ci donc est erronée, mais une seule personne le sait. Vous voyez, donc c'est quand même pas rien, une personne peut avoir raison alors qu'elle est minoritaire. Donc il leur dit « vous vous trompez ». Ou alors une personne qui n'était pas moufla, c'est-à-dire le moufla n'était pas là-bas, c'est-à-dire le Rosh Yeshiva, le tribunal, pourrait-on dire aujourd'hui, le président du tribunal rabbinique n'était pas là-bas, il ne faisait pas partie de la composition à ce moment-là, et ils auraient donc dû lui demander, puisque c'est celui qui est considéré comme étant le plus grand. Et donc ils ont quelque part décidé de ne pas se consulter, même si le Beit Din était, comme je l'ai dit auparavant, plein, c'est-à-dire tout le monde était là-bas. Donc le moufla du Beit Din n'était pas là-bas. Ou alors, Oshaya Echad Mehem, Ger, O Mamzer, O Natim, O Zaken, Shelora Alobanim. Ou alors, on avait dans le Beit Din trois personnes qui en fait n'ont pas la possibilité de siéger dans le Beit Din, qui sont soit quelqu'un qui a eu une conversion, quelqu'un qui s'est converti ne peut pas si facilement siéger dans le Beit Din, il y a également des débats contemporains à ces sujets-là. Ou alors un mamzer, quelqu'un donc qui est né d'une union interdite avec une femme mariée, qui a eu donc un enfant en dehors du cadre de son mariage. Ou alors un natim. Natim, ce sont donc les descendants des Givonim, donc ces fameuses personnes qui étaient donc à l'époque de Yehoshua, ils se sont convertis et ils ont été appelés des netinim, c'est-à-dire des personnes qui serviront, comme il est parlé dans Yehoshua, dans le chapitre 9 de Yehoshua, au verset 27. Et Yehoshua les a assignés à des tâches qui étaient des tâches de personnes qui auront coupé le bois, ramené l'eau. Et donc, ils n'ont pas, au niveau halakhique, la possibilité d'être dans le Beit Din, mais ils y sont pourtant. Ou alors, il y a là-bas une personne âgée, Zaken, chez Laura Alobanim, qui n'a pas d'enfant. Et l'explication est généralement qu'une telle personne pourrait en être, dirait-on, cruelle. C'est-à-dire, il n'aurait pas de compassion, puisqu'il n'a pas eu d'enfant. Il n'a pas développé de compassion et donc, quelque part, il décide de prendre ce verdict-là et de ne demander à personne et de foncer tout droit sans avoir pour autant demandé une permission, d'avoir peut-être considéré les choses différemment. Le din est, selon la Mishnah, are enu peturim. Dans un tel cas, donc le cas où le Beit Din n'est pas, à l'unanime, dans le cas où le Rosh Yeshiva n'est pas là, dans le cas où un des membres du Beit Din n'est pas apte à siéger au Beit Din, eh bien dans ces cas-là, Are Helu Peturin, eh bien ils seront donc, suite à cette instruction-là, exemptés d'une Korban Sibour. Pourquoi? Eh bien parce que, quelque part, nous dit la Mishnah après, chez Nehemar, comme il est écrit, Kan Eda, Venehemar Lealan Eda. La Mishnah va nous ramener un enseignement qui va en fait définir le Beit Din comme étant défini comme étant une assemblée. Et il apparaît dans différents versets de la Torah que l'assemblée doit être une assemblée en toute chose. Et cette assemblée-là et donc, ne semble pas être une assemblée, puisqu'il doit être marqué ici, concernant le din, c'est-à-dire le verdict du Beit Din, eh bien qu'il doit être une Eda. Or, Eda, ça veut dire
Ma'eda Amura Le'alan, le mot Eda qui est ramené dans les cas des dîners fachot, des cas donc de jugement de personnes qui peuvent être mises à mort. Eh bien, tout le monde doit être capable, Ri'uyim Le'ora'a, être apte à pouvoir donc émettre un enseignement. Alarik, Af Eda Amura Kan, Achiyu Kulam Ri'uyim Le'ora'a. Eh bien, dans notre cas également, le Bedin ou le Sanhedrin, tout le monde doit être donc apte à être, eh bien, à être juge rabbinique. Donc, c'est la première partie de la Mishnah. La Mishnah continue avec encore trois cas. Oru Bedin Shogegin, dans le cas où un Bedin va énoncer un verdict, mais il se trompe. Et évidemment, que le verdict qu'ils ont donné eh bien, n'a pas été réprimandé par les cas qu'on a vus auparavant. Personne ne leur a dit « vous vous trompez » ou alors « il n'était pas à l'unanime » ou alors « il manquait quelqu'un ». Non, tout simplement, tout le monde a pris la décision, mais en fait, ils se sont trompés. « Ve'asu kol ha'ka'al shogegin » et à la suite de cela, toute l'assemblée eh bien, a également suivi l'instruction et a donc fait cette faute, cette chose qui était en fait erronée. Dans ce cas-là, c'est le cas classique donc, dont on parle dans cette Mishnah, « mais ve'im par » ils doivent amener un taureau, donc c'est le fameux korban à Alem Davar Shel Tzibur. C'est lorsqu'il y a eu donc une erreur dans l'énonciation du verdict, et donc le Bedin doit amener donc le Bedin, ou on verra peut-être plus tard qui exactement, il doit amener donc ce fameux Corban. Mais par contre, regardez bien, ça devient intéressant, Mezidin versus Shogegin. On a un cas ici qui est très intéressant, dans le cas où le Bedin va énoncer un verdict erroné, et ils le savent. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce possible? Première possibilité historique, on sait qu'il y a eu à certaines époques, des personnes qui étaient en poste important à l'époque du Second Temple, c'était les Kohanim, puisque la Kehuna s'achetait, elle était déjà corrompue. On avait également, à d'autres époques, des Batedim qui étaient constitués de personnes qui n'étaient pas toujours bien intentionnées. Très intéressant. Mezidin ve asu shogegin, un cas où le Bedin a volontairement énoncé un verdict erroné, mais le peuple, lui, eh bien, a suivi le Bedin d'une façon involontaire, asu shogegin, dans un cas comme ça, Mevi'in, qui se bat, Veseira. Alors, dans un tel cas, eh bien, chacun des membres de la collectivité, donc chacun, va devoir amener les corbanotes donc, qui sont ramenés dans la Torah comme étant donc conséquentes d'une action involontaire, un shogeg, qui sont donc Kisba Veseira, c'est-à-dire une brebis et une Seira. La Seira, c'est la femme du bouc. Et enfin, dernier cas de la Mishnah, Shogegin Veasu Mezidin. Un cas où le Beit Din a énoncé de façon involontaire, c'est-à-dire shogeg, ils n'ont pas fait ça intentionnellement, une erreur, mais par contre le peuple a entendu ça, le peuple savait qu'il se trompait, mais ils l'ont quand même fait, en voulant peut-être dire, ah ben si le Beit Din l'a dit, peut-être qu'on peut se fixer sur leur enseignement, et dans un cas comme ça, regardez bien, Are Elou Petorin, et bien tout le monde, et le Beit Din, et également les membres de la communauté, et bien sont exemptés d'un corban. Pourquoi le Beit Din? Parce que, eh bien, tout simplement, ce n'est pas une instruction qui est une instruction, on va dire, volontaire. Ils se sont trompés. Vous comprenez bien parce que c'est la première chose. Le Beit Din, parce que, comme on l'a dit, le Kahal n'a pas suivi leur instruction d'une façon involontaire. Et donc, ils n'ont pas trompé la collectivité. Le corban que le Beit Din doit amener, c'est en cas où l'instruction qu'ils ont donc donnée eh bien, a été celle qui va tromper la collectivité. Or là, la collectivité décide volontairement de faire alors qu'ils savent que c'est faux. Et d'autre part, la personne qui va le faire, donc le public, eh bien, eux n'amènent pas non plus de corban parce qu'ils sont mézidines. Ils sont mézides, c'est-à-dire qu'ils ont fait une faute volontaire et on n'amène pas de corban, et encore moins de corban khatat, sur une faute qui est mézide. Et donc, à ce moment-là, tout le monde sera patour. Vous voyez donc une Mishnah fort intéressante puisqu'elle nous met en place des cas qu'on n'aurait peut-être pas soupçonnés. Imaginez-vous un cas où le tribunal rabbinique décide volontairement d'enseigner quelque chose d'erroné. Pour nous, qui avons confiance en la sagesse des rabbins, non pas en les rabbins en soi, mais en la sagesse des rabbins et en leurs bonnes décisions, eh bien, on se rend compte que eh bien, dans ces cas-là, il faut avoir tout de même un petit peu d'esprit critique. Et l'esprit critique, comme on l'a vu au début de la Mishnah, n'est pas absente même des considérations et de jugement, puisqu'il faut entendre tout le monde. Et si quelqu'un est minoritaire, eh bien, le jugement ne devient pas un jugement véritable. En tout cas, ce qui va être dit ne peut pas être considéré comme étant
une énonciation d'un véritable Bedin. Et donc, quelque part, on casse ici l'institution du Bedin en analysant les différents cas donc, qui vont le transformer ou pas en quelque chose de sérieux. Bonne journée à tous. Shabbat Shalom.